Bruno Bidjan. Voilà un jeune. Quand on parle du tribalisme, son nom apparaît. Crimo, son nom apparaît. Escoquerio, son nom apparaît. Et comme ça ne suffit pas, on fait de lui directeur d'une certaine chaîne de télévision à deux balles. Ah oui, pour faire le sale boulot. On ne dit pas qu'il n'y a pas de jeunes au Cameroun qui ont réussi normalement. Mais ils sont dans leur calme parce qu'ils ont peur. On les a frustrés. Ah oui, quand vous voyez un jeune gars au Cameroun, épanoui, belle voiture, gentleman, 80-100%, c'est la diaspora. Ah oui, et c'est les pareils gens qu'on utilise pour insulter les gars de la diaspora. De voir les gens qui ont réussi sans voyager. Alors qu'il est dans toutes les sales affaires. Ah oui, et c'est marrant. Hein? Il n'y a qu'au Cameroun. Franchement, voilà un jeune gars avec la complicité de ces vieux-là qui porte dans sa conscience et entre ses mains la souffrance de certains Camerounais. C'est un garçon qui connaît beaucoup de mauvaises choses. Ah oui. Et un jour, ça va se savoir. Tout se paye ici-bas. La Puro avait dit que celui qui est courageux, qui va à Dubaï, c'est pour dire qu'on ne chie pas là où on dort. Parce qu'à la fin, ça va finir par te sentir. J'ai du respect pour toute la diaspora. Ah oui. Mais méfiez-vous quand vous voyez certaines personnes au Cameroun là. Et que voilà un jeune gars, là, on le sait. Je connais les jeunes qui ont réussi au Cameroun. Ils sont dans l'ombre. Parce qu'ils ont peur. Parce que le système a fait de manière que non, quand tu veux soulever la tête, on cherche à cogner. Ah oui, les gars sont dans l'ombre. Ils vivent leur petite vie, dans l'ombre. Ah oui, c'est comme ça. Un système de jaloux, de mécréants.